痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, wesh, canapèche, ça se prend, c'est pas le temps de niaiser avec une intro. Quelle est la meilleure technique des personnages dans Naruto? Vous vous êtes jamais posé la question? Pas besoin, je suis là pour ça, parce que j'ai rien d'autre à faire de ma vie. Hey! Aujourd'hui, on va voir la meilleure technique des 12 de Konoha et de leur sensei, donc 16 personnages. Si on fait d'autres épisodes, on fera d'autres catégories, comme les membres de l'Akatsuki, les Kage, etc. Pourquoi pas même un épisode sur Boruto? Bref, je parle, vous m'écoutez, je vous divertis, vous m'appréciez. Je dis qu'on va commencer par l'équipe 7, vous acquiescez. Et puisque j'entends que vous avez arrêté de moufter parce que l'intro n'a pas duré 3h30 comme d'habitude, on va pouvoir commencer. Bon allez, il est temps de commencer avec l'équipe la plus mise en avant dans ce manga. Tout d'abord, ce cher Naruto. Quelle est sa meilleure technique? Naruto n'est pas forcément un grand utilisateur de ninjutsu dans le sens où il n'est pas très polyvalent. Il va utiliser globalement deux techniques, donc le multiclonage d'un côté et le Rasengan et toutes ses variantes de l'autre. C'est pas foufou en comparaison avec des ninjas qui maîtrisent plus de 1000 techniques, mais il possède tellement de Rasengan différents que ça le rend quand même pas trop mal adapté à toutes les situations. Le Rasengan fait, de base, des dégâts internes, comme démontré dans le presque clash Rasengan Chidori sur le toit de l'hôpital. Le Rasen Shuriken, son évolution, va carrément trancher les méridiens de son adversaire à une échelle micro. Ce qui fait qu'il ne pourra plus malaxer de chakra, un petit peu comme les 64 points du haké. Donc le Rasen Shuriken est déjà très puissant, mais vu le nombre de variantes de cette variante, imaginez les dégâts. En obtenant le mode Rikudo, Naruto a pu utiliser 9 Rasen Shuriken infusés au chakra des bijoux. Cette technique est juste qualifiée de Kuzenzetsugo no Ninjutsu, donc ninjutsu le plus puissant de tous les temps selon le 4ème databook. Du coup, c'est difficilement contestable, et quand on voit ce que ça fait, on ne peut qu'être d'accord. Ce jutsu permet d'utiliser 9 Rasen Shuriken différents, et chacun aura sa spécificité. Parce qu'un Rasen Shuriken classique, donc infusé au vent, attaque les méridiens en prenant dans la forme d'une infinité de petites lames microscopiques. Mais là, il y en a 8 autres avec chacun leur spécificité. On ne les connaît malheureusement pas, mais le Rasen Shuriken de Magma est ultra tranchant vu qu'il a pu découper sans effort l'arbre Shinju. Et après, je vous laisse imaginer les effets des autres, dans les commentaires. Niveau puissance brute, on peut débattre avec le double Rasen Shuriken mode bijou avatar ermite salade tomate oignon, mais je vais quand même sélectionner le méga orbe shuriken démoniaque ici pour son efficacité. Le double Rasen Shuriken avatar est monstrueux niveau puissance, mais ça nécessite d'accumuler pas mal d'énergie, de créer deux clones de Kyubi, de les faire fusionner et de lancer la technique juste après. Pour la déferlante de Rasen Shuriken infusé au chakra des bijoux, c'est moins chronophage et sûrement moins énergivore. En plus, vu qu'il y a 9 lanceurs, ça fait 9 attaques venant de 9 endroits différents, donc on peut imaginer des combinaisons assez sympas, genre les Naruto entourent l'adversaire et lancent leur attaque pour l'empêcher d'esquiver. Niveau puissance, là oui, il y a débat parce que ça m'étonne quand même que ce soit les 9 Rasen Shuriken qui soient considérés comme le ninjutsu le plus puissant de tous les temps, mais niveau efficacité, ils sont clairement au-dessus. Ou alors on se dit que c'est une technique qui est plus considérée comme du ninjutsu, là où l'autre c'est plus du senjutsu, mais même dans ce cas-là, ça change rien pour moi. Le méga orbe shuriken démoniaque est le meilleur jutsu de Naruto. Maintenant, concernant son assos à toutes les sauces, quelle est la meilleure technique de Sasuke? Eh bah lui, ça dépend. Sasuke possède pas mal de capacités différentes. Amaterasu pourrait être un bon début, mais selon moi, c'est trop facilement contrable. Alors attention, contrable par des ninjas de haut niveau, évidemment. C'est super efficace en attaque ou en défense, mais il existe pas mal de solutions pour le contrer, et même pas besoin de jutsu super avancé. C'est surtout la polyvalence d'Amaterasu qui est intéressante quand c'est combiné à Lenton, vu qu'il peut se créer des armes ou les utiliser en combinaison avec le Susanoo. Donc oui, honnêtement, ça mérite le débat, mais selon moi, ça n'a pas énormément de chances de l'emporter. La technique la plus puissante de Sasuke, comme il l'a lui-même indiqué, c'est la flèche d'Indra. C'est un concentré de chakra des bijoux que Sasuke place dans son Susanoo comme catalyseur. Ensuite, il concentre tout dans sa flèche pour créer la flèche d'Indra. Niveau pouvoir destructeur, on est sur probablement l'une des techniques les plus puissantes du Naruverse et seules quelques rares exceptions pourraient ne serait-ce que jouer dans la même catégorie. Ça fait beaucoup de dégâts, ça se lance donc ça devrait jouer sur un petit peu toutes les distances. On peut supposer que ça va très vite vu que la flèche du Susanoo de base est super rapide, donc oui, c'est vraiment une technique ultra fumée. Mais si on considère que c'est la plus puissante du répertoire de Sasuke, je ne pense pas qu'il s'agisse de la meilleure. Pour moi, la meilleure reste Ameno Tejikara, donc sa faculté à échanger de place avec sa cible. Je sais pas si ça fera débat pour vous, mais je trouve que sa technique est juste beaucoup trop pratique. En théorie, elle ne sert qu'à une seule chose, donc échanger de place avec ce qu'il regarde, mais à partir du moment où c'est utilisé intelligemment, ça devient tellement redoutable. Genre, si l'adversaire lance une attaque vraiment puissante sur Sasuke, genre un Rasen Shuriken, Sasuke peut échanger de place avec le lanceur pour tout simplement esquiver. Les places vont être échangées et c'est absolument incontrable vu que ce n'est pas une technique qui blesse, donc peu importe la durabilité d'en face, ça fonctionnera. Kaguya et Konohamaru vont poser la même résistance face à cet effet. Ça permet donc de s'assurer une défense vraiment cool vu que c'est plus ou moins une esquive gratos sans bouger physiquement. Le seul prérequis c'est d'avoir le regard sur une cible, mais il n'y a pas forcément de limitation sur cette cible vu que Sasuke a pu échanger de place avec la veste de Sakura par exemple. Niveau attaque, ça ne va pas blesser comme indiqué plus tôt, mais ça va permettre de placer l'adversaire dans la
meilleure des positions possibles, et croyez-moi, c'est encore plus pratique. Parce que la flèche d'Indra, ça a beau faire des dégâts colossaux, si l'adversaire est plus fort ou qu'il possède une capacité pour contrer cette dernière, bah ça va pas servir à grand chose. Mais Amenoté Jikara est pratique contre 100% des personnages et dans 100% des situations. Ça permet même de gérer face à des adversaires plus forts parce que Sasuke a le contrôle sur le terrain et les positions. Suffit de le voir contre des Otsutsuki où il est clairement plus dangereux que Naruto, alors qu'en vrai, les deux devraient être à peu près du même niveau. Dites-vous que son Amenoté Jikara a failli permettre à Sasuke de Marie-Antoinette Ishiki. Ouais, j'invente des mots. Et la différence de puissance entre Sasuke et Ishiki est à peu près la même qu'entre Madara et Itachi. Ouais, vous pouvez mettre votre pouce rouge, je l'accepte. Bref, Amenoté Jikara permet de combler l'écart de niveau entre deux personnages tellement cette technique est efficace, donc elle est la meilleure du répertoire de Sasuke. Et concernant son amoureuse... Bah on l'a déjà vu, non? Seul méga orbe rasé une shuriken démoniaque? Sakura! Ah, désolé, Bon... Sakura n'a pas grand chose. C'est une kunoichi spécialisée dans les techniques médicales d'une part et dans le corps à corps d'autre part. Ça fait que son style de combat ne lui octroie pas un grand répertoire de techniques. Par contre, elle en a quand même deux assez intéressantes. Déjà, le Byakugo. Le Byakugo lui permet de libérer le chakra qu'elle accumule dans son front pendant une certaine période afin d'avoir accès à une quantité monstrueuse de chakra et de se soigner passivement et en quelques instants. Par exemple, se faire transpercer lui pose plus aucun problème au vu de cette faculté de régénération. Sakura a donc accès à une sorte de transformation qui va brûler du chakra qu'elle aura stocké, donc pas sa réserve à elle, et pendant le temps que cette technique est activée, elle pourra se faire blesser sans crainte vu qu'elle va se soigner automatiquement. Il n'y a pas de contre-coup, ça lui permet de devenir beaucoup plus endurante, beaucoup plus résistante, elle a même sûrement un boost de ses caractéristiques physiques en mode plus de chakra utilisé pour se déplacer vite, frapper plus fort, etc. C'est pour ça que je compare ça à une transformation, même si ça n'en est pas vraiment une, mais vous avez capté l'idée. C'est plus ou moins la seule véritable technique qu'elle a. On pourrait également citer sa capacité à détruire les cellules dans son roman, mais j'avoue que je sais pas si on peut qualifier ça de technique. Dans son roman, justement, Sakura peut frapper un adversaire et le soigner instantanément pendant le choc. Ce procédé lui permet d'accélérer la régénération des cellules, et comme les cellules ne peuvent se régénérer qu'un nombre limité de fois, ça réduit l'espérance de vie et ça passe outre toute durabilité vu qu'on attaque l'intérieur du corps au niveau cellulaire. J'hésite à le considérer comme une technique véritable vu que dans le fond c'est juste une utilisation différente d'un procédé connu, à savoir frapper et soigner. Donc si vous considérez ça comme une technique, vous pouvez la placer comme la meilleure, mais perso je vais rester sur Byakugo tellement ça lui booste sa durabilité et son endurance. Et concernant ce gentil professeur toujours en retard qui est Kakashi, lui c'est ultra évident. On aura beau lui donner plus de 1000 jutsu différents, aucun ne vaut le Kamui. Le Kamui, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais ça permet d'annuler toute attaque et toute défense ennemie. Kakashi regarde sa cible et il l'envoie dans une autre dimension. Si c'est une attaque, ça va l'annuler, si c'est une défense, ça va juste pas toucher. La seule limitation, c'est la taille, mais en termes de technique pure et de ses effets, Kamui est juste indétrônable. Et la seule concurrence qu'il pourrait y avoir, ça vient des variantes du Kamui. Les Kamui Shuriken, par exemple, permettent d'utiliser l'effet du Kamui, mais à différents endroits en même temps. Le même effet, mais x3, x4, x5, peu importe. Le databook précise même que le taux de réussite augmente encore, alors que c'est déjà ultra précis de base, donc je vous laisse avec cette info. Mais selon moi, il y a encore mieux. Et non seulement c'est mieux que les shurikens, mais c'est même probablement la meilleure technique de Kakashi parce qu'il va combiner ces deux techniques ultimes. Avec le chakra Rikudo, Kakashi peut utiliser le Kamui en combinaison de son Raikiri afin de créer l'une des attaques les plus broken de l'histoire. Le Kamui, Raikiri. Kakashi fonce sur son adversaire avec une vitesse qualifiée de divine parce qu'il a toujours le principe de suractivité corporelle pendant la charge du Raikiri, mais cette fois c'est boosté à un tout autre niveau. Donc Kakashi va super vite avec cette attaque. Mais en plus, pendant sa charge, il est intangible, ce qui fait qu'il peut pas se faire contre-attaquer, peu importe la nature de l'attaque. Tu pourrais lui envoyer n'importe quelle attaque, ça passera à travers Kakashi. Et la blague finale, une fois que Kakashi te touche, non seulement ça blesse, mais ça envoie la partie touchée dans une autre dimension, passant ainsi toute durabilité. Donc ça confère à Kakashi une vitesse divine, une intangibilité pendant la charge et une attaque passant outre toute défense ennemie. Il y a encore des gens qui pensent que DMS Kakashi se fait battre par l'Akatsuki ou les Hokage. C'est terrible. Mais enfin bref, la meilleure technique de Kakashi, c'est le Kamui Raikiri, parce que d'un côté c'est ultra cheaté, mais également parce qu'il peut adapter son utilisation à la situation. Non vas-y je rigole, c'est sa meilleure technique. Bon, ça risque d'aller un poil plus vite à partir de maintenant, vu qu'on a passé les persos principaux. Dans l'équipe Kuronai, on va tout d'abord avoir Kiba. Kiba, ça va être simple, il n'utilise globalement qu'une seule technique dans l'œuvre, sa transformation avec Akamaru, qui lui permet de prendre la forme d'un gentil toutou que tu aimerais caresser. Ne fais pas genre. Sauf que, de base, il utilise ça directement avec Akamaru, mais pendant la guerre, il nous a montré une variante. Il utilise donc un clone en plus afin de créer un loup tricéphale, ce qui le rend sans doute beaucoup plus puissant qu'avant. Bon après, j'avoue que la logique m'échappe un petit peu en sachant qu'il va juste diviser son pouvoir en deux pour refusionner juste après, mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Et quand il est dans cette forme, il peut utiliser une technique vraiment puissante, ça je le reconnais volontiers, c'est le Gaga Tenga. Gaga, oh là là. Les gros spirales pour éviter les problèmes de droits d'auteur. Pas grand chose à dire, c'est Kiba et Akamaru qui partent en mode toupie Beyblade pour découper les ennemis. Hyper vitesse !
assez efficace et disons que Kiba nous a pas forcément montré mieux. Je pense donc que c'est son art ultime et dans tous les cas ça colle plutôt bien à la scène où il y a tout le monde qui flex. Ensuite nous avons notre insectoraga à nous, Shino. Alors, Shino sera probablement le seul de cette liste à ne pas avoir de technique à proprement parler, dans le sens où son « art ultime » entre guillemets devrait être les phagocytes. Ces petites bébêtes toutes mignonnes rentrent dans la victime, dévorent son chakra et grandissent si vite qu'elles le bouffent. Juste, arrêt sur image. Regardez la taille de Shino en comparaison avec le mini Jubi. Le mini Jubi doit faire 2-3 fois sa taille. Eh bien, en quelques instants, les insectes sont passés de « j'ai la taille d'une cacahuète » à « je te bouffe ton âme, fils de p... » Ces insectes vont juste rentrer dans la victime et le dévorer de l'intérieur, donc c'est presque incontrable, et vu leur taille, c'est assez compliqué à repérer. Après, le terme « technique » entre guillemets peut varier, genre je comprendrais que quelqu'un me dise que c'est pas un jutsu, c'est juste un insecte qui fait sa vie. Mais vu que c'est un bourrané, je vais le caler dans cette catégorie. En bref, Shino est ultra vénère et c'est probablement le plus sous-côté des 12 de Konoha. Va falloir qu'on en parle prochainement. Genre, faire une vidéo dans laquelle il serait... Genre, très prochainement. Genre, pendant l'examen Chunin. Sans spoiler. Et enfin, nous avons Hinata. Je vous rassure, je vais pas la rusher comme ses deux compatriotes parce qu'elle a une capacité vraiment intéressante. Mais on va y aller doucement. Tout d'abord, pendant cette même scène où tout le monde a flex, Hinata était montrée capable d'utiliser les 64 points du haké. Cette technique est trop stylée, mais elle est surtout extrêmement puissante. Hinata peut directement attaquer les Tenketsu afin de bloquer la circulation du chakra. Un ou une Hyuga peut le faire de base, mais en utilisant les 64 points du haké, on bloque l'intégralité du système circulatoire du chakra. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si on se fait toucher par cette attaque, on ne peut plus utiliser le chakra. Quand un ninja se bat, il a tendance à faire circuler son chakra dans ses jambes pour se déplacer plus vite. Là, il ne pourra pas. Quand un ninja veut frapper plus fort, il déplace son chakra dans ses bras. Là, il ne pourra pas. Quand un ninja veut utiliser un jutsu, il malaxe son chakra. Là, il ne pourra pas. C'est vraiment transformer le ninja en merguez, il pourra juste plus rien faire. La seule façon de s'en sortir une fois touché, c'est d'avoir accès à une autre source de chakra, comme Naruto avec Kyuubi qui a pu les rouvrir de force, mais ce genre de personne se compte sur les doigts d'une main. Pour vous foutre le vertige, dites-vous que si Hinata touche Madara avec les 64 points du haké, Madara est fini. Je rigole même pas. Il va jamais se faire toucher évidemment, hein, mais s'il se fait toucher, c'est fini. C'est donc ultra efficace. Par contre, Hinata peut potentiellement avoir mieux dans son arsenal. Le databook précise que sa technique des pommes jumelles des lions agiles peut, en théorie, être combinée aux 64 points du haké, genre on fait les 64 points du haké tout en ayant les deux lions dans ses mains. De base, les pommes jumelles sont juste un gros concentré chakra qui utilise le principe du juken. Quand un Hyuga touche son adversaire, le chakra transféré des mains vers la victime va lui causer des blessures internes, mais avec les lions, ça fera encore plus de dégâts vu que ça va aussi abîmer l'extérieur. Elle va donc attaquer la surface et l'intérieur du corps, histoire de bien faire mal partout. Et en plus de ça, tu pourrais techniquement l'utiliser avec les 64 points du haké, histoire de bloquer les tenketsu et de merguezifier la victime. Ouais, je continue d'inventer les mots. Arrêtez maintenant. C'est donc les 64 points du haké, mais mieux, sauf que bon, personne l'a jamais vraiment montré dans le manga. Le databook dit que c'est techniquement possible, mais impossible de prouver qu'Hinata maîtrise cette capacité précise. La seule source, à la limite, c'est le spin-off légendaire sur ce cher Rock Lee, mais c'est un petit peu limite-limite, hein. Donc ouais, c'est soit l'une, soit l'autre des capacités. Et honnêtement, les 64 points du haké, c'est juste bien meilleur en tout. D'ailleurs, c'est la technique qu'elle a utilisée au moment où tout le monde se donnait à fond, donc presque sûr que c'est son arcane ultime. Et enfin, pour la meilleure des Jonin au monde, Kuronai, bah ça va être super rapide. Une seule technique utilisée dans l'œuvre, et c'était pas une très grande réussite. Après, pour sa défense, elle est tombée sur Itachi, donc littéralement le pire adversaire pour elle, mais j'avoue que ça m'intrigue un petit peu cette technique. Kuronai ne semble pas forcément nécessiter de contact visuel pour la lancer, et ça se lance assez vite. C'est donc un genjutsu assez sympa, qui immobilise la cible et qui permet de le décapiter sans trop de problèmes. Bon, à la condition que la cible ne pense pas se mordre les lèvres, évidemment. Mais en dehors de ça, y a aucun défaut, hein. En dehors de la façon la plus basique de briser les genjutsu, hein. Mais vraiment aucun défaut. Non, sans rire, son unique jutsu est juste tout pété, donc ouais, vous pouvez continuer de ne pas la respecter. Bon, pour l'équipe Azuma, il n'y aura pas forcément beaucoup de débats à chaque fois. Pour Shikamaru, il utilise majoritairement sa manipulation des ombres pour capturer une cible. Pour ce faire, son ombre se déplace vers celle de la victime, et dès que les deux rentrent en contact, Shikamaru le bloque sur place et il est condamné à reproduire les mêmes mouvements que lui. Un peu comme une ombre, ce qui est... logique. Mais bref, une fois capturé, il n'y a pas énormément moyen de s'en sortir. Soit on utilise une capacité qui peut se lancer sans bouger, soit on brise l'étreinte par la force brute. Et autant cette technique est très efficace en groupe, autant en 1v1, c'est un peu plus tendu parce que ça permet juste de capturer, mais ensuite faut réussir à finir le boulot. Shikamaru a le QI pour trouver une solution en général, mais vu qu'il n'a pas un chakra illimité, plus le combat va durer, plus il risquera de finir à court de jus et de ne pas pouvoir capitaliser. Comme face à Temari par exemple. Après, Shikamaru a réussi à maîtriser des variantes comme l'entrelacement des ombres qui permet de saucissonner sa victime pour l'empêcher
empêcher complètement de bouger. Ça, c'est cool, mais ça change pas énormément de choses. Le plus intéressant reste le fait d'avoir des sortes de lianes qui peuvent toucher la victime même depuis les airs ou de les transpercer de part en part. On va dire que c'est pas dégueu. Sinon, il a aussi moyen de créer une étreinte pour étouffer sa victime. Ça viendrait combler le seul vrai défaut de la technique, donc de ne pas être très offensif. Se faire étouffer, ça c'est l'étalon général, c'est ce que dirait un juge, et même si on se cache derrière un Susano, la main de l'ombre ira se loger au niveau de votre gorge pour vous couper l'air. C'est donc un mélange entre la manipulation des ombres et une technique pour terminer le boulot une fois la cible capturée, donc tranquille. C'est la meilleure technique de son répertoire. Pour Ino, ça va être ultra rapide vu que c'est potentiellement la seule qui n'est pas vraiment une combattante à part entière parmi les 12 de Konoha. Globalement, elle n'utilise qu'une seule technique, la transposition, qui lui permet de transférer son esprit dans le corps de sa cible pour la contrôler. C'est super pratique en mission effectivement, mais ça va montrer assez vite ses limites pour le combat vu qu'il faut généralement être à plusieurs pour que ce soit efficace. En effet, utiliser cette technique implique de perdre temporairement l'usage de son propre corps, ce qui le rend vulnérable, et si Ino rate le transfert, l'adversaire va pouvoir la terminer au sol avant qu'elle ne reprenne ses esprits. Bon, après, l'effet final est sympa, à savoir de prendre le contrôle de sa victime, et Ino a montré pas mal d'utilisations différentes de cette capacité, notamment une double emprise d'un coup. La transposition est donc la meilleure technique d'Ino, et malheureusement, c'est un peu la seule. Mais elle aura su tirer profit de son art pour la combiner à celui de ses camarades, donc on va pas critiquer. Et en parlant de camarades, c'est le tour de Shoji. Shoji, c'est un peu pareil que ses deux amis, il va pas avoir un arsenal ultra conséquent, mais c'est surtout l'utilisation en équipe qui rend ses techniques vraiment cool. Mais bon, faut reconnaître que même sans travail d'équipe, sa technique est monstrueuse. Pour moi, c'est définitivement le mode papillon qui se retrouve au sommet de son inventaire. Avec ça, Shoji utilise son chakra pour brûler les calories en surplus dans son organisme, afin de l'utiliser. C'est comme utiliser les pilules, donc ça multiplie la puissance de l'utilisateur par 100, mais sans la mort quasi certaine au bout du tunnel. Shoji a donc un mode qui multiplie sa puissance par 100, et avec ça, il est clairement capable de retourner à peu près n'importe quel ninja normal qui se trouve devant lui. Par normal, j'entends évidemment tous les personnages qui ne sont pas niveau Kage et plus. C'est vraiment sa seule grosse technique, et son boulet humain est juste une technique secondaire qui peut être efficace en équipe, mais qui n'a clairement pas l'efficacité du mode papillon. Il s'agit donc de sa meilleure technique. Et enfin, concernant ce bon vieux Azuma, il a un répertoire de techniques absolument phénoménal qui s'élève au nombre de 3. Pas une, pas deux, mais 3. Et parmi ces 3-là, t'en as une qui est une infusion d'un élément dans son arme. Youhou. Bon, je troll un petit peu parce que ça reste toujours mieux que sa femme. Bref, Azuma peut utiliser un banal futon qui ne sera pas premier ici, je vous préviens. C'est sympa vu que c'est du vent, mais Ino a eu les réflexes pour l'esquiver et ça semble pas très polyvalent. C'est vraiment une attaque monodimensionnelle dans le sens où sa seule fonction sera de trancher ce qu'il y a devant, donc pas très intéressant ici. Ensuite, il y a la nuée ardente qui permet de créer un écran de fumée dans un premier temps et d'y mettre le feu quand la situation l'exige. Ça, c'est cool. Bon, sauf si on exclut le fait que ça sent pas si puissant que ça. C'est juste un banal katon qui n'a même pas blessé sérieusement Shoza. C'est donc pratique pour le côté écran de fumée et l'effet persuasif, mais bon, c'est assez moyen niveau force de frappe. Et heureusement qu'il peut utiliser la technique de la lame de chakra, parce que sinon, il aurait pas grand chose à lui le pauvre. Avec cette technique qui semble s'appeler l'hirondelle volante, je ne rigole pas, Azuma peut infuser du chakra vent dans ses lames afin de les rendre beaucoup plus tranchantes mais également de faire varier leur portée. Quand il a affronté Kizame la première fois, je vais pas dire qu'il l'a blessé, mais un petit peu quand même. C'était super superficiel évidemment, mais ça a touché parce qu'il y a eu un effet de surprise. Et Azuma peut transformer ses poings américains en des sortes de couteaux ou en des sortes d'épées courtes en fonction de la situation. Son corps à corps devient donc assez difficile à bloquer vu que le vent peut passer au travers de pas mal de défenses et ça permet de se battre plus facilement à courte et à moyenne distance. C'est pas la technique du siècle évidemment, mais bien utilisée, elle est assez efficace, notamment en équipe quand un partenaire peut faire diversion ou immobiliser l'adversaire. Je dirais donc que parmi ces 3 techniques, c'est elle la plus efficace et se semble coller avec son style de combat. Ses jutsu semble être utilisé comme diversion, mais sa véritable technique, c'est l'hirondelle. Mais enfin bref, je suis désolé pour les fans hardcore de l'équipe Azuma, dont je fais partie d'ailleurs, parce que leurs techniques ne sont pas les plus intéressantes en individuel, c'est vraiment le travail d'équipe qui vient les sublimer. Du coup, c'était peut-être un petit peu moins intéressant à suivre. Mais promis, on va se rattraper dans quelques instants avec l'arrivée de l'équipe Gaï. Alpha Omega, my badass. Go! Ego! Go! Shibo Answer J. Tandu Garen shouted this. Worldwide shit. Tandu. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime cette équipe, bordel! Même si. Faut reconnaître que leur meilleure technique à chacun est assez facile à deviner. On va commencer par le plus facile, le génie Neji. Neji n'utilise que 2 véritables techniques, le tourbillon divin et les 64 points du haké. On a déjà vu les 64 points du haké avec Hinata, donc pas besoin de réexpliquer en quoi c'est une technique fumée. Mais je pense qu'on peut définitivement dire que cette technique est la meilleure de son répertoire, même devant le tourbillon divin, à cause de 3 éléments. Déjà, parce que quand Hiashi, son oncle, l'a vu faire, il était impressionné, mais sa mâchoire a failli se décrocher quand il a vu les 64 points du haké. Je pense que là, il fallait comprendre que c'était d'un tout autre niveau. Deuxièmement, Tenten Lagotte a également fait cette remarque en mode « Ouais, c'est impressionnant, mais
Et vous avez rien vu du tout. Ce qui devrait hiérarchiser cette technique au-dessus du Kaiten. Et enfin, le Kaiten sera super pratique en défense, mais son utilisation est assez limitée, genre ça va pas servir à grand chose face à une trop grosse attaque ou sur la durée. Par contre, les 64 points du Haké passent outre la durabilité ennemie et l'empêchent de continuer le combat, ce qui fait que ça permettrait de vaincre un adversaire bien plus fort que soi si on arrive à le placer. Et en fonction de l'attaque, ça peut même servir comme moyen de défense. Contre les araignées de Kidomaru, Neji a pu les repousser, et j'imagine que ça pourrait fonctionner pareil avec des armes de jet vu que les mains de Neji seraient ultra infusantes au chakra concentré. Donc globalement, les 64 points du Haké, c'est la meilleure technique de son arsenal, et je pense qu'elle serait la meilleure technique dans pas mal d'arsenal. Je comprends un peu pourquoi les Yuga sont le clan plus puissant de Konoha. Mais enfin bref, nous avons ensuite ce brave Rock Lee. Lui, sa meilleure technique, bah elle a jamais été véritablement montrée. Yes. Cool. En fait, dans la partie 1, sa meilleure technique, c'est la fleur du Lotus Verso qu'il a utilisée contre Gaara. Ça lui permet d'utiliser une technique qui va à une vitesse folle et dont le pouvoir destructeur est aussi grand que ses sourcils. Sauf que ça, c'était dans la partie 1, et Rock Lee a évolué entre temps. Du moins, on l'espère, vu que Kishimoto l'a un petit peu oublié. Mais on va pas rentrer sur ce terrain, ça va m'énerver. Dans la partie 2, Rock Lee n'a pas vraiment montré de grosses techniques en dehors de sa faculté à utiliser la sixième porte. Sauf que les portes c'est cool, mais ça permet pas vraiment de capitaliser. L'intérêt premier est quand même d'utiliser une technique via le boost colossal que procurent les portes. Par exemple, Guy peut utiliser Asakujaku dès la sixième porte, et il ne passe en sixième porte que pour l'utiliser. Sauf que Lee... on sait pas. Il a utilisé la sixième porte pendant la guerre, mais juste pour se déplacer ou pour donner un simple kick à Madara. La seule pseudo-technique qu'on pourrait imaginer, c'est le coup de poing qu'il a utilisé sur la météorite dans Naruto Zola, genre ça semblait plus fort qu'un simple coup de poing. Mais il n'y a pas de nom, presque même pas montré, donc ouais, c'est difficile à dire si c'est une technique. Ah, du coup, ouais, sa meilleure technique entre guillemets à proprement parler serait l'ouverture des six portes vu le boost que ça a conféré, mais impossible de dire s'il peut utiliser une technique avec. On va dire que c'est un petit peu comme le mode papillon de Choji avec un plus grand boost de vitesse, mais avec de sacrés contre-coups. Le voir utiliser une technique aussi si cheater qu'Asakujaku aurait été démentiel, mais voilà, t'as capté, les fans voulaient évidemment pas voir un personnage aussi incroyable que Lee un petit peu plus en avance, pour ça Kishimoto n'a rien fait de lui, évidemment. Ça me fait pas rire. On passe à Tenten. Tenten a été moins mise en avant que le cochon de Tsunade dans le manga. Vous pensiez vraiment qu'elle allait avoir une technique incroyable? Vous êtes très confiant, et j'insiste bien sur la première partie de l'adjectif. La technique ultime de Tenten, c'est un coup d'éventail qui souffle les victimes. Genre, fiou, et la maison des trois petits cochons s'envole. Et le pire, c'est que cette arme s'appelle l'éventail du bananier. Banane. Genre un arbre à banane. Il a une banane. C'est une arme du Rikudo et on a l'impression que c'est la première trouvaille de Robinson Crusoe sur son île. Et il y a vraiment aucun respect là. Donc oui, Tenten a un éventail qui lui permet de souffler son adversaire. C'est très fort évidemment parce que c'est une arme du Rikudo, mais ça fait qu'un seul truc. On peut imaginer que Tenten pourrait utiliser les 5 éléments avec un peu plus de maîtrise, mais c'est presque plus l'arme que la technique en elle-même, donc franchement, c'est moyen. Ces techniques pour souffler ses adversaires sont sympas, mais c'est assez limité niveau utilité. Heureusement quand même que c'est un personnage aussi peu mis en avant qu'il l'a, parce que si ça avait été un autre perso qui l'avait eu, ça aurait été anecdotique. Et encore une fois, c'est dommage. Parce que son style de combat, donc le Shuriken Jutsu, c'est vraiment stylé et ça peut être ultra pratique, mais c'est juste pas mis en avant. Bon, à part chez certains évidemment. Mais enfin bref, il va falloir finir sur une note positive. Note positive, j'ai besoin de toi. Ah bah là, on va s'amuser. Guy Maito peut ouvrir les 8 portes et il possède les attaques les plus stylées de ce manga. Le pan matinal, le tigre du midi, l'éléphant du soir, le Guy de la nuit. Oh bordel, j'aime trop cet enchaînement. Après, il y a une hiérarchie dans les techniques de Guy, genre plus il y a de portes, plus la technique sera puissante. Donc oui, le Guy de la nuit est son attaque ultime. D'ailleurs, ça a même été dit, donc il n'y a pas forcément de débat. C'est une charge vers l'adversaire à une vitesse démentielle et dont la force de l'impact est suffisante pour arracher le corps de Madara boosté par Jubi et par les cellules d'Hashirama. Ça va si vite qu'il peut même tendre l'espace, donc c'est définitivement la meilleure technique de Guy. Par contre, si vous m'autorisez quelques instants de digression, imaginez les techniques précédentes de Guy, mais en 8ème porte. Genre Asakujaku, mais avec le boost cataclysmique de la 8ème porte. Imaginez la dinguerie. Ou Hirudora. Oh, Hirudora serait tellement cool. Parce qu'en toute logique, si tu sais faire ça en 6ème et 7ème porte, tu sais faire en 8ème porte et ce sera encore plus cheaté. Donc ouais, j'avoue que ça m'aurait intrigué de voir ça. Mais enfin bref, je pense qu'on a fait le tour, donc on va pouvoir s'arrêter là. Est-ce que ce concept vous plaît? Si c'est le cas, on va aborder d'autres groupes comme l'Akatsuki, les Kage, les Chevaliers de Bronze, etc. Donc à vous de proposer vos petites listes avec potentiellement la meilleure attaque de chacun. Au boulot. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous. Et la prochaine fois au programme, je vais faire une tier liste des meilleurs partis politiques sur ces 40 dernières années. Ouais, j'aime le danger. Je rigole évidemment, j'aime trop la thune.